En 1988, après avoir connu le sommet au box-office américain, Jason Voorhees et Michael Myers ne bousculaient plus vraiment les foules. Avec des suites de plus en plus médiocres chaque année, réalisées avec de très faibles moyens, le public se lasse très vite. Pourtant, ce sous-genre appelé slasher était très rentable peu de temps avant. Propulsé par le succès massif de John Carpenter avec son Halloween qui a remporté plus de 70 millions de dollars pour un budget dérisoire de 300 000, l'époque communément citée comme l'âge d'or des slashers débute cette année-là, en 1978. De nombreux producteurs se mettent évidemment à copier Halloween en mettant en scène une figure meurtrière traquant des adolescents alcoolisés et avides de sexe. Ces œuvres copiées-collées vont néanmoins aller beaucoup plus loin dans la violence et la nudité. Seulement 2 ans après le succès d'Halloween, Vendredi 13 de Sean Cunningham sort au cinéma et devient le slasher ayant le plus de succès en 1980, totalisant plus de 59 millions de dollars. Son distributeur, la Paramount Pictures, a été très critiqué pour s'être abaissé à sortir un film d'exploitation aussi violent. C'est de la merde. Plusieurs critiques cinéma qui méprisaient le film ont alors révélé l'identité du tueur dans le but de nuire à son box-office. Ils ont également fourni l'adresse du président de la Paramount pour que les spectateurs se plaignent. Malgré tout, ça n'empêchera pas le studio de produire plusieurs suites à sa nouvelle poule aux œufs d'or. Malheureusement, en 1984, le public avait largement perdu tout intérêt pour les slashers sortis en salle, approchant la fin de l'âge d'or. Les taux de production ont chuté et les grands studios ont presque abandonné le genre qui, quelques années plus tôt, avait pourtant été très rentable. L'intérêt décline peu à peu, mais un metteur en scène au nom de Wes Craven, qui est à ce moment-là connu pour avoir réalisé La dernière maison sur la gauche et La colline à des yeux, va revitaliser le genre en mélangeant fantastique et horreur avec Les griffes de la nuit. Malgré ça, le sous-genre est fatigué et sa popularité va considérablement diminuer. Heureusement, un film va apporter un peu de sang neuf. Salut mon chéri! Si un projet comme Jeu d'enfant a pu voir le jour, c'est grâce au producteur David Kirschner qui a décidé en 1987 de prendre un virage à 180 degrés vers le cinéma d'horreur. Je voulais vraiment prouver que je pouvais faire quelque chose d'effrayant parce que je ne voulais pas être catalogué uniquement dans l'animation. C'est après avoir achevé la production du film d'animation Fievel et Le Nouveau Monde qu'il est tombé sur le livre The Dollhouse Murders, un roman qui raconte comment, au contact d'une maison de poupées découverte dans un grenier, trois adolescentes tentent de résoudre le meurtre de leurs grands-parents. En se plongeant dans cette histoire, Kirschner se rappelle d'une grosse frayeur d'enfance. La poupée de sa sœur avait le don de le terrifier. Le producteur tente d'obtenir les droits du roman, mais sans succès. C'est à partir de là que tout commence. Dans son entourage, personne ne croit en cette idée peu originale. Mais David sait très précisément ce qu'il veut. En développant des projets pour Disney, il tombe sur le script Blood Buddy, écrit par un certain Don Mancini en 1985. Un scénario rejeté par pratiquement tous les studios d'Hollywood. Malgré ça, Mancini est fier de son travail. Ce scénario, je l'ai rédigé dans le style de la satire. Je m'y attaquais au consumérisme, au bourrage de crâne, au caractère insidieux et nocif des stratégies commerciales. J'y ai représenté Chucky, qui s'appelait encore Buddy comme l'ultime produit de masse. Je l'ai d'autant mieux écrit que je savais de quoi je parlais, mon père ayant travaillé dans le marketing et la publicité d'une compagnie pharmaceutique. Un script horrifique saupoudré de satire donc, mais également de plusieurs références, comme l'épisode 6 de la 5e saison de la série La 4e Dimension, intitulé La Poupée Vivante, ou le téléfilm La Poupée de la Terreur diffusé sur ABC en 1975. Il a également été très influencé par l'humour noir de Freddy Krueger. Même si David Kirschner est plutôt séduit par le scénario de Mancini, il souhaite faire plusieurs changements majeurs. Par exemple, dans la première mouture du scénario, la poupée n'était pas possédée par l'âme d'un tueur en série, mais prenait vie sous l'effet de la rage inconsciente de l'enfant. Dans le script original, l'une des caractéristiques des poupées de Good Guy était le faux sang sous leur peau. Je me suis inspiré des poupées de mes sœurs qui pouvaient faire pipi. J'ai pensé que dans le contexte d'un film d'horreur, ce serait génial d'avoir une poupée qui saignerait. Et puisque nous faisions une satire sur le marketing, l'idée était que si vous jouiez trop brutalement avec elle, la peau en latex se briserait et du sang commencerait à couler. Ainsi, vous deviez acheter des pansements officiels Good Guy. Karen Barclay était responsable de la publicité pour la société de poupées Good Guy. À l'origine, la poupée prenait vie parce qu'Andy était un enfant solitaire. Pas de père dans les parages, sa mère était tout le temps au travail. Dans ce rite classique de fraternité, il se taille le pouce et le pouce de la poupée pour qu'ils puissent être les meilleurs amis pour toujours, et à partir de là, les meurtres commencent. Dans le scénario de Blood Buddy, Chucky ne prend vie que lorsqu'Andy dort. On comprend progressivement que Chucky est l'incarnation de l'inconscient d'Andy. Une idée originale certes, mais qui pourrait déranger les responsables d'un studio de cinéma. Surtout que dans cette logique, la poupée s'en prenait à toutes les figures autoritaires. La nounou qui lui commandait d'aller se coucher, l'institutrice qui lui donnait de mauvaises notes, et même sa propre mère. Le scénario de Blood Buddy déplaît et doit subir des réécritures. Mais avant d'engager des modifications, il faut d'abord convaincre les studios. Sur la base des descriptions détaillées de Mancini, Kirschner a d'abord donné vie à la poupée Chucky en la dessinant dans un couloir sombre et effrayant.
Il décide alors d'envoyer le dessin au studio qui avait rejeté le scénario. Pari gagné pour le producteur qui est de suite rappelé par le studio United Artists qui veut bien faire le film à condition que le script subisse des changements. Pour la société de production, impossible que Don Mancini reprenne lui-même sa propre copie. C'est à ce moment-là que John LaFia, qui était encore qu'un débutant, et Tom Holland, qui venait de réaliser Vampire, vous avez dit Vampire, rentrent dans la partie pour apporter les modifications. Après plusieurs mois de réécriture chaotique, le scénario plaît au studio et la réalisation est confiée à Tom Holland. C'est d'ailleurs lui-même qui a eu l'idée d'introduire cette histoire de vaudou. Donne-moi le pouvoir, grand Ambala! Pour le nom humain de Chucky, Charlie Ray, les auteurs se sont inspirés de trois assassins célèbres aux États-Unis. Pour le premier nom, Charles, il a été inspiré par le psychopathe Charles Manson, leader de la secte appelée la Manson Family. Le deuxième prénom, Lee, vient de Lee Harvey Oswald, l'homme qui a assassiné en 1963 le président américain John Kennedy. Et enfin, le nom de famille Ray vient de James Earl Ray, criminel américain condamné à 99 ans de prison pour avoir assassiné le 4 avril 1968 le pasteur Martin Luther King. Don Mancini réagit très favorablement face à tous ces changements. Je dois rendre hommage au travail que Tom a accompli. Il a tiré une histoire plus ouverte, ponctuée de scènes d'action. Les explosions, l'attaque dans la voiture, tout ça vient de lui. Le titre passe de Blood Buddy à Batterie non incluse, mais Steven Spielberg tournait déjà un film avec ce titre. Donc finalement, le film s'appellera Child's Play. Pour le design de la poupée, c'est le technicien des effets spéciaux Kevin Yeager qui est engagé, un nom très connu dans le milieu. A l'époque, il avait déjà fait ses armes sur un certain nombre d'autres franchises d'horreur comme Vendredi 13 et Freddy. Au niveau du casting, c'est l'actrice Catherine Hicks qui est choisie pour interpréter Karen Barclay. Je ne voulais même pas lire le scénario quand j'ai entendu dire que c'était un film d'horreur, mais ensuite j'ai pensé que le scénario était en quelque sorte bien adulte et bien écrit. C'était amusant, et j'ai aimé le personnage, elle ne va pas très bien. Elle travaille dans un grand magasin, elle a un petit garçon à élever, et quand de mauvaises choses arrivent, elle se montre à la hauteur, elle devient héroïque, et se bat pour sa famille. Je l'aimais pour ça. Quand j'ai lu le scénario, j'ai pensé que c'était un beau rôle, il y avait beaucoup de transitions émotionnelles. Brad Dourif, habitué à des personnages excentriques ou dérangés, est engagé pour être la star du film. C'est Tom Holland qui m'a parlé de ce personnage qui finirait par être une poupée. Il m'a demandé si je voulais le faire, j'ai de suite accepté. Et pour finir, Alex Vincent obtient son premier rôle sous les traits du petit Andy Barclay. Le tournage débute le 7 janvier 1988 avec un budget estimé à 9 millions de dollars. Suite à un froid historique frôlant les moins 40 degrés à Chicago et les complications pour faire fonctionner la poupée, le budget est légèrement dépassé. Le film qui était prévu à la base pour l'été 1988 prend beaucoup de retard et sera finalement repoussé pour novembre. Un mal pour un bien en soi car grâce à cela, le long métrage n'affrontera aucune concurrence et sera même le seul film d'horreur sur ce créneau. Bien que l'animatronique et les CGI sont couramment utilisés de nos jours, ce n'était absolument pas le cas à la fin des années 80. Cette technologie n'était qu'à ses débuts. La majorité des scènes ont été filmées avec des marionnettes animatroniques et ce n'était clairement pas de tout repos. Pendant qu'Holland et Kirchner n'étaient pas d'accord sur beaucoup de points, les robots tombaient très souvent en panne, ce qui rajoutait une tension supplémentaire sur le plateau. Un tournage délicat où tout repose sur des machines capricieuses. Au total, ce sont 11 personnes qui étaient là pour contrôler Chucky, soit une personne pour chaque partie de son corps. Pour les scènes les plus complexes, c'est l'acteur Hyde Gale qui s'y collait en tant que doublure officielle de Chucky. Il a par exemple assuré lui-même ce passage où Chucky est immolé dans la cheminée. Autre fait assez surprenant, le décor de l'appartement des Barclay était construit à 1m50 au-dessus du sol afin d'insérer les techniciens au-dessous de la marionnette. Une fois la production terminée et le premier montage assemblé, un public test a pu voir la première version de jeu d'enfant. Les retours étaient très mauvais. Selon les spectateurs, le film était trop long et pas assez angoissant. Mancini et Kirchner remontent le film et coupent environ 25 minutes de séquences où apparaît Chucky et quelques autres moments d'enquête. Leur but est clair, montrer le moins possible la poupée pour qu'elle apparaisse plus effrayante, tout comme Bruce dans Les Dents de la Mer ou la créature dans Alien. Il y a aussi d'autres scènes coupées qui montraient Charlie Ray en tant qu'humain, traquant une femme ivre pour découvrir qu'il s'agissait en réalité de Mike Norris déguisé lors d'une opération d'infiltration. On peut d'ailleurs voir que Mike balance des vêtements féminins lors de la poursuite durant les premières secondes du long métrage. Après une nouvelle projection test qui se termine avec de très bons retours, Jeu d'enfant sort le 9 novembre 1988. Mais des manifestants en colère se sont placés devant l'entrée principale de la MGM pour demander l'interdiction du film car selon eux, cela inciterait la violence chez les enfants. Des reporters locaux se sont déplacés sur les lieux pour filmer la scène. Pas très rassuré, le producteur David Kirchner suivait en direct la retransmission à la télévision. Jeffrey Hilton, qui travaillait avec Kirchner à la MGM, a indiqué qu'il pouvait apaiser tout ça en seulement 10 minutes. Hilton est donc descendu et a parlé au chef du groupe.
En seulement quelques minutes, les deux hommes se sont serrés la main et le groupe s'est immédiatement dispersé. Hilton n'a jamais révélé à Kirchner s'il avait fait une menace ou s'il avait tout simplement trouvé un accord avec les manifestants. Le mystère restera entier. Chicago, le 9 novembre 1988. Charlie Ray, tueur en série plus connu sous le nom de l'étrangleur du lac, est abattu dans un magasin de jouets par le détective Mike Norris. Mais grâce à ses connaissances vaudou, il arrive à transférer son âme dans une poupée brave gars. Le lendemain, Karen Barclay, une maman vivant seule avec son fils qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, achète cette fameuse poupée à un SDF. Et c'est à partir de ce moment-là que la vie du petit Andy Barclay va basculer. L'enfant va être accusé des meurtres et placé temporairement dans un asile psychiatrique. De son côté, Charles, qu'on surnomme aussi Chucky, apprend qu'il doit vite trouver un autre corps sinon il restera prisonnier de celui-ci à tout jamais. Il faut te résigner, plus tu passeras de temps dans ce corps, plus tu deviendras humain, Chucky. Le tueur doit donc transférer son âme dans le petit garçon avant qu'il ne soit trop tard. Pour un budget d'environ 9 millions, le film va rapporter plus de 44 millions de dollars dans le monde. Un grand succès critique et financier inattendu, et surtout très rare à cette époque-là pour un film d'horreur. Il faut l'avouer, les poupées maléfiques n'ont pas eu beaucoup de chance au cinéma. Il faut dire qu'à Hollywood, le concept des poupées possédées rime souvent avec production fauchée. Ce sujet n'a jamais vraiment été pris au sérieux. Heureusement, contre toute attente, Tom Holland, Don Mancini et John Lafia ont réussi l'exploit de nous pondre une œuvre intelligente, maîtrisée, remplie de scènes cultes tout en modernisant le thème de la poupée vivante avec une trouvaille assez originale, le vaudou. Et mon dieu, qu'est-ce que ça fait du bien de voir enfin des personnages qui prennent de bonnes décisions dans un film d'horreur. Bon, à part le petit Andy, mais c'est cohérent, il n'a que 6 ans. Je pense surtout à l'évolution de Karen Barclay. Elle passe d'une simple maman célibataire qui se fait écraser par son boss et qui voulait simplement faire plaisir à son fils malgré ses faibles revenus, à une femme badass qui fera tout pour sauver son fils en explosant la face d'un tueur. Sans parler des effets spéciaux qui n'ont absolument pas vieilli depuis plus de 30 ans. L'animation de Chucky est exceptionnelle pour l'époque malgré tous les problèmes qu'a subi l'équipe durant le tournage. Le travail a été colossal. Entre un budget trop maigre et le peu de temps pour tout mettre en place, en tant que spectateur, on ne se rend pas forcément compte. Mais pour faire vivre à l'écran un personnage comme Chucky, c'est un enjeu titanesque. Jeu d'enfant n'est pas qu'une histoire bête de poupée tueuse. J'aime le fait qu'on donne une vraie identité et un passé au tueur. J'aime la satire subtile que dégage le film contre toute l'industrie des jouets. J'aime ces personnages qui sont à la fois attachants et cohérents dans leurs actes. J'aime le mélange entre fantastique, action, polar et horreur. Malgré quelques défauts évidents, comme le jeu d'Alex Vincent qui parfois n'est pas très bon, ou la bataille finale qui n'en finit jamais, ce film est une totale réussite qui reste le meilleur dans son genre. Émerveillés par le succès surprise de leur premier projet, Kirchner et Mancini ont immédiatement commencé à travailler sur la création d'une suite avec le co-scénariste John Lafia, recruté cette fois-ci pour réaliser la première suite. Après le succès de jeux d'enfants au cinéma et également son triomphe dans les vidéoclubs avec plus de 300 000 cassettes vendues, bien sûr que l'idée d'une suite est envisagée très vite. C'est d'ailleurs en voyant le potentiel de pouvoir faire des suites que le studio United Artists a acheté le scénario des premières aventures de Chucky en 1988. Tous les voyants étaient donc au vert. Mais jamais rien ne se passe comme prévu à Hollywood. Un problème survient lors de la pré-production. Merde ! Le tournage qui devait débuter le 15 octobre 1989 est suspendu. En effet, une société australienne a racheté United Artists en 1989 et le nouveau président qui a pris la relève a choisi de carrément interdire toute production de films d'horreur. Dorénavant, la société ne sortira que des films prestigieux pour conserver une belle image. La suite de Child's Play est donc annulée. Ils ont immédiatement commandé un deuxième film parce que Jeux d'enfants avait bien marché et avait été si bien reçu par la critique. Nous étions en pleine pré-production pour la suite. Je suis dans un avion lorsque Richard Berger a appelé. Il y a un type du nom de Christopher Scales chez Quintex, ils achètent la société et ne veulent pas faire de films d'horreur, j'étais furieux. Mais suite à cette décision, plusieurs studios ont exprimé leur intérêt à récupérer les droits cinématographiques du premier film et de sa suite. Entre autres, il y a la Paramount Pictures, Warner Bros, Columbia Pictures, 20th Century Fox, New Line Cinema, Walt Disney Studios et Universal Pictures. Une guerre des enchères est déclarée. Steven Spielberg en personne a appelé David Kirchner pour l'encourager à aller chez Universal.
Le producteur a donc contacté le studio en premier et a mentionné que Spielberg les avait suggérés. Les dirigeants d'Universal ont immédiatement proposé une très belle offre au producteur. Faire non seulement la suite Chucky 2, mais également tous les futurs films de la série, et ont même accepté de laisser une grande liberté concernant la franchise, permettant à lui et au co-créateur Don Mancini de contrôler la série. Un fait très rare dans le monde du cinéma qui ne serait probablement pas arrivé si un autre studio avait acheté les droits. Steven a dit « Écoutez, vous avez fait votre premier film avec Universal. Donnez-leur simplement la liste de ce que vous voulez. » Je suis retourné vers Universal et j'ai dit « Nous sommes là grâce à Steven. » Et ils ont dit oui à toutes les demandes. C'est ainsi que nous avons noué une relation avec Universal alors que 5 autres studios étaient dessus. On peut dire que Steven Spielberg a contribué à sauver Chucky. Pour l'écriture de cette deuxième aventure, Don Mancini décide de recycler certaines idées qu'il n'a pas pu imposer pour jeux d'enfants. Plus particulièrement, la scène culte où Chucky tue le professeur Dandy, et le climax dans l'usine de poupées Brave Gars. En hommage au travail qu'a apporté Tom Holland, il décide d'appeler la deuxième poupée qu'on peut voir dans le film Tommy. Salut, je suis Tommy. Tu vas la fermer, tu con. Le tournage a finalement débuté le 6 novembre 1989 avec un budget confortable de 12 millions de dollars. Alex Vincent est de retour dans le rôle d'Andy Barclay et l'excellent Brad Dourif pour la voix de Chucky. Dans le script original, le film devait s'ouvrir dans un tribunal avec un jury condamnant Karen Barclay à un établissement psychiatrique pour avoir insisté sur le fait que la poupée Chucky était vivante. Catherine Hicks et Chris Sarandon devaient tous les deux reprendre leur rôle de Karen et Mike Norris du premier film. Cependant, leurs scènes ont été malheureusement coupées des scripts en raison de contraintes budgétaires. Mais merde ! À la différence du premier film, John Lafia a demandé à Brad Dourif d'enregistrer toutes ses répliques à l'avance afin que les mouvements du visage de la poupée correspondent facilement à ses paroles. Habituellement, c'est le contraire qui se produit. En conséquence, Dourif est rarement apparu sur le plateau pendant le tournage. Pour la musique du film, c'est Graham Revol qui est choisi. Le compositeur a obtenu le poste en mentant sur son expérience à Universal. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait déjà composé une partition pour un orchestre complet, Revol a induit le studio en erreur en répondant à un oui retentissant. La vérité est qu'il n'a jamais arrangé une composition musicale d'une telle envergure. Pourtant, il composera brillamment la bande originale du film qui est devenue culte. Durant la post-production, plusieurs scènes intéressantes sont coupées, notamment Chucky qui fouille dans la valise d'un des cadres de l'entreprise Brave Gars, et il y a également une fin alternative où l'on voit Chucky reprendre vie. Une idée qui sera finalement reprise pour le début de Chucky 3. Chucky 2 sort le 9 novembre 1990, soit 2 ans jour pour jour après la sortie du premier film. Dans cette suite, nous revoyons Andy Barclay quelques mois après la mort de Chucky. Comme sa mère a été internée, il se retrouve dans une famille d'accueil, les Simpsons, où il fait la connaissance de Kyle. Mais pendant ce temps, la compagnie Brave Gars, qui veut redorer son image après l'affaire des Barclay, récupère la dépouille grillée de Chucky et décide de la remettre en bon état. Mais pas de bol, l'âme de Charlie Ray revient et les massacres recommencent. Dès sa sortie, le film s'est classé numéro 1 avec un week-end d'ouverture à plus de 10 millions de dollars aux États-Unis. Finalement, ce deuxième opus dépassera la barre des 30 millions. La saga Child's Play confirme donc qu'elle a sa place auprès des plus grandes figures horrifiques. Chucky 2 est un épisode connu pour être très apprécié par les fans, mais j'avoue avoir un peu de mal avec ce film. Bien sûr, il est loin d'être mauvais. Au contraire, il a de belles qualités, mais par rapport au précédent opus, je trouve qu'il ne raconte pas grand-chose. Ce qui était très intéressant à la fin de Jeux d'enfants, c'était le fait que Karen Barclay et surtout les deux policiers étaient témoins que la poupée était réellement possédée par le tueur Charlie Ray. Il y a même le collègue de Mike qui dit une des phrases les plus importantes du film selon moi. Tu me crois maintenant? Ouais. Mais qui est-ce qui va me croire, moi, hein? C'est exactement ce sujet-là qu'aurait dû traiter ce second film. Malheureusement, ils ont préféré balayer le côté polar. Au lieu de ça, on apprend vaguement que Karen a été internée en confirmant l'histoire de son fils sans que ce soit montré à l'écran. Pour le policier Mike, aucune information sur son personnage ni sur son collègue Jake. C'est tellement dommage. Pourtant, on a bien vu qu'il y avait une enquête dans le premier film à cause des meurtres de Chucky. Du coup, je me pose plusieurs questions. Que devient le policier Mike Norris et son collègue Jake? Sont-ils encore policiers? Y a-t-il encore une enquête? Comment la police a justifié les meurtres qu'on voit dans le premier film? Va-t-on revoir Karen? Plusieurs questions qui resteront malheureusement sans réponse car le film ne prend pas le temps de raconter la suite de l'histoire qu'on nous a servie à la base.
D'ailleurs, la première chose que l'on peut se dire quand on commence le film, c'est que contrairement à un jeu d'enfant, cette suite ne perd pas de temps. Dès les premières minutes, Chucky reprend vie et retrouve le chemin d'Andy. On tombe dans la suite de slasher classique avec plus de meurtres, plus d'action et plus de fun. Don Mancini et John Lafia nous offrent un film beaucoup moins sombre, moins sérieux, plus rythmé que son prédécesseur, plus coloré, plus généreux dans les meurtres également, mais souffre d'une histoire sans grand intérêt. Pour résumer, toute l'intelligence et la subtilité du premier film est partie pour laisser place à du divertissement pur et dur. Une œuvre fun où les meurtres s'enchaînent, mais l'histoire, elle, n'avance pas. Heureusement, on peut toujours compter sur l'excellent Brad Dourif qui campe à merveille le rôle de la poupée possédée et à quelques scènes qui sont devenues cultes comme le meurtre de l'enseignante. Après une suite très divertissante et surtout un nouveau succès au box-office, Universal se montre bizarrement très pressé pour le lancement d'un troisième film. Le scénariste Don Mancini est contraint d'écrire une nouvelle histoire dans une durée assez limitée. Sous pression et sans réelle inspiration, l'auteur n'a pas assez de temps pour trouver de bonnes idées. Il boucle son scénario dans les temps, mais avec beaucoup de regrets. Au niveau du casting, c'est cette fois-ci l'acteur Justin Wallin qui est engagé pour interpréter Andy Barclay, car cette nouvelle histoire se situe 8 ans plus tard. Jonathan Brandis, qu'on a pu voir entre autres dans le téléfilm « Ça, il est revenu », avait lui aussi passé le casting mais n'a pas été retenu. Du côté de la réalisation, le studio pense d'abord à Peter Jackson, mais le metteur en scène refuse car il était déjà sur un autre projet. Alors Universal se tourne vers Jack Bender, un petit réalisateur habitué aux séries télé. Malgré le budget de 13 millions de dollars, Don Mancini doit modifier son script qui demande trop d'effets spéciaux. L'idée la plus coûteuse était de ne pas ressusciter qu'un Chucky dans la cuve, mais 12. Ce concept sera finalement repris à partir du 7ème film. Nous retrouvons donc Andy Barclay en 1998, envoyé dans une école militaire après être passé dans plusieurs familles d'accueil. Parallèlement, l'usine des poupées Bravga, qui était à l'abandon, redémarre. Le cadavre de Chucky est soulevé par des crochets. Ainsi, quelques gouttes de son sang atterrissent dans la cuve. Chucky est de retour. Presto, you're dead. Mais finit encore une fois par se faire tuer. À sa sortie, ce troisième film est un flop. Pour un budget d'environ 13 millions de dollars, il remportera un peu moins de 21 millions. Don Mancini n'a pas eu assez de temps pour développer une bonne histoire. Il n'est pas fier de cet épisode et ça se ressent à l'écran. Jeu d'enfant était une approche assez créative du genre. Chucky 2 était moins impressionnant, mais toujours divertissant. Puis vient Chucky 3, qui signe clairement le premier déclin de la saga. Entre la mise en scène qui fait traiter les films, la réalisation plutôt mollassonne, les avalanches de stéréotypes, le scénario rempli d'incohérences, tout sonne faux. Avec ce très mauvais épisode, Chucky confirme qu'il est comme toutes les autres grandes figures du cinéma d'horreur. Comme si c'était le destin de tous les méchants cultes des années 80 de mourir dans l'ignorance dans les années 90. Cette troisième aventure est en pilotage automatique, les meurtres s'enchaînent sans grand intérêt et manquent cruellement de rythme. Évidemment, tout n'est pas à jeter. Le film commence avec une des meilleures résurrections de Chucky qui est visuellement très bien réalisée. Mais à côté de cela, il y a plein d'occasions manquées. Par exemple, la scène où le tueur remplace des fausses balles par des vraies aurait pu donner une scène incroyable. Bref, le concept est clairement dans l'impasse. Il est temps de revoir sa copie et de faire le grand ménage. Heureusement, Universal va ranger la petite poupée dans sa boîte et va attendre le bon moment pour la ressortir plus forte que jamais. Mais avant de passer au quatrième épisode, je souhaite parler d'une anecdote très triste autour de ce film. En Grande-Bretagne, Chucky 3 est tristement célèbre car on a soupçonné le long métrage d'avoir inspiré le meurtre du petit James Bulger. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, tout commence le 12 février 1993. James Bulger, âgé de 2 ans, a été amené par John Venables et Robert Thompson lorsque sa mère Denise Bulger a été distraite dans une boucherie. Il s'en est suivi des heures de torture dont la plupart ont été trop explicites pour être rapportées. Soi-disant, l'un des assassins avait vu le film la veille et il a été suggéré qu'il avait en partie inspiré. Selon la police, cette théorie était pratique pour que les gens essaient de comprendre les actions absolument incompréhensibles des deux enfants. Albert Kirby, qui a dirigé l'enquête sur le meurtre, a témoigné que Venables ne vivait pas avec son père à l'époque qui avait loué le long métrage. Les chances qu'il ait vu le film étaient alors peu probables. La conclusion officielle qui a été faite dit qu'il n'y avait finalement pas de lien. Malgré tout, depuis cette affaire, Chucky 3 a une sale réputation en Grande-Bretagne.
Suite aux résultats très décevants de Chucky 3, le scénariste Don Mancini et le producteur David Kirschner ont opté pour une toute nouvelle direction. Le travail sur le film a commencé en 1996 et a été grandement inspiré par la nouvelle vague de slasher. Mais commençons par le commencement. Au début des années 90, c'est officiel, la fête est finie pour les plus célèbres tueurs en série. Après avoir régné pendant plusieurs années, les slashers bas de gamme produits à la va-vite n'ont plus la cote au cinéma. Les échecs au box-office se succèdent. Pendant qu'Universal préfère sagement ranger sa poupée Bravga durant un temps, les autres studios de cinéma n'ont pas dit leur dernier mot. Certains voient même l'opportunité de faire du profit sur cette décadence. En effet, comme les spectateurs ne veulent plus de suite, les studios vont vendre un énième épisode, mais cette fois-ci, le dernier, le grand final, pour tenter de conclure les franchises sur de bonnes recettes au box-office. Pari gagné pour la New Line Cinema qui, dans une période compliquée, remporte plus de 34 millions de dollars avec le très mauvais La fin de Freddy, qui conclut la saga d'une des pires façons. En revanche, pari perdu pour le dernier Vendredi 13 et ses maigres 15 millions de dollars. Les choix artistiques de certains films laissent de plus en plus à désirer et semblent être voués à l'extinction. Le destin du slasher est donc mis en péril par la faute de producteur Cupid. Quelques années plus tard, plus précisément en 1995, le jeune Kevin Williamson étudie dans une université à Los Angeles pour y suivre des cours d'écriture de scénario. Un soir, il est seul chez lui lorsqu'il tombe sur un reportage sur l'éventreur de Gainesville, une affaire qui a fait grand bruit en Floride qui raconte comment le tueur en série Danny Rowling a tué 5 étudiants. En regardant l'émission, le jeune scénariste remarque qu'une de ses fenêtres est ouverte dans son salon. Il a de suite réalisé à quel point il serait facile pour quelqu'un d'entrer et de lui faire du mal. La peur que lui procure cette pensée l'inspire. Il commence donc à rédiger une histoire. Ce script, qu'il a apparemment écrit en 3 jours seulement, raconte comment une petite ville des États-Unis d'ordinaire très tranquille est secouée par les meurtres de plusieurs étudiants. Pendant que la police enquête, le tueur frappe à nouveau en s'inspirant de films d'horreur des années 70 et 80. Une sorte de satire méta qui critique et s'amuse des clichés de films d'horreur tout en reprenant les vieux codes du genre avec des personnages qui ne prennent pas ses œuvres au sérieux. Il était amusant de se demander comment les enfants gavés aux cassettes vidéo réagiraient s'ils se retrouvaient piégés dans les mêmes situations. Tout est parti de là. Le studio Miramax, qui cherche de nouveaux projets pour son nouveau label Dimension Film, achète pour 400 000 dollars son scénario qui s'intitule d'abord Scary Movie. La réalisation est confiée à Wes Craven pour le plus grand plaisir de Kevin Williamson, car le metteur en scène partage la même vision que lui sur le projet. Le film a été finalement renommé Scream entre-temps et sorti aux États-Unis le 20 décembre 1996. En quelques semaines, il devient le thriller horrifique le plus rentable de l'histoire avec 173 millions de dollars dans le monde. Un énorme carton aussi bien financier que critique qui lancera sans problème une nouvelle saga. Ce triomphe relance instantanément la machine des slashers. En très peu de temps, on a le droit à de nouveaux films à la sauce Scream. The Faculty, Halloween 20 ans après, Urban Legend 1 et 2, Souviens-toi l'été dernier 1 et 2, etc. Cette nouvelle vague de slashers qu'on appelle également néo-slashers profite d'une écriture parfois plus méta en y intégrant souvent un aspect polar. Le développement des personnages principaux sont globalement plus affinés qu'auparavant, en plus de généralement bénéficier d'un bon casting. Pour résumer, ce sont tout simplement des films beaucoup mieux travaillés avec un budget plus conséquent. C'est dans ce contexte-là que Don Mancini commence l'écriture du scénario pour le grand retour de son petit monstre. Une chose est sûre, il veut absolument relancer la saga avec une histoire totalement inédite. Après Chucky 3, David Kirschner et moi-même avons estimé que les limites du personnage d'Andy avaient été pleinement explorées pour le moment. Nous étions enthousiastes à l'idée de transformer la saga à fond dans la comédie. D'autres franchises comme Halloween, Vendredi 13 ou Les Griffes de la Nuit n'ont jamais basculé dans un royaume stylisé et farfelu comme nous l'avons fait avec la fiancée de Chucky. Un changement de ton radical, mais pas que. L'auteur va donner également un peu de profondeur à l'ancienne vie humaine de Charlie Ray en y incluant le personnage de Tiffany Valentine, sa dernière amante et complice avant qu'il ne se fasse tuer au début du premier film. Un personnage écrit et pensé spécialement pour l'actrice Jennifer Tilly qui, à l'époque, était connue en grande partie grâce à son interprétation de Violette dans le film Band. L'auteur est agréablement surpris quand il apprend que l'actrice a accepté le rôle. Il ne pensait pas du tout qu'elle allait vouloir jouer dans ce style de film. En réalité, Jennifer Tilly est fan du concept de la poupée vivante. Je crois que Chucky est populaire parce que les gens ont vraiment peur des poupées. C'est comme pour les clowns. Elles nous ressemblent, mais sans être humaines. On a tous fait ce cauchemar dans lequel on regarde sa poupée en pensant que ce serait effrayant si elle se mettait à parler. C'est étrange de s'apercevoir que les poupées sourient. Elles pourraient faire le mal et continuer à sourire. C'est une idée qui donne froid dans le dos. Pour la réalisation, David Kirschner et Mancini embauchent Ronnie Yu après avoir été impressionnés par son film La mariée aux cheveux blancs, sorti en 1993. Ils ont même accepté de lui laisser une grande liberté artistique. Suite à cette annonce, Jennifer Tilly est encore plus emballée par le projet. Avec le script et Ronnie Yu comme réalisateur, j'ai été tout de suite enthousiasmée par ce non-conformisme, par cette approche particulière à Chucky dont tout le monde connaît le style.
David Kirchner m'a dit qu'il voulait adapter Chucky aux années 90 et j'ai trouvé que prendre Ronnie Yu était une super idée, lui qui est réputé pour son style visuel qui apporte une nouvelle sensibilité. Chucky, lui, est comblé d'apprendre qu'il va jouer avec Jennifer Tilly. Oh, Jennifer's a great gal. I mean, when we were casting the picture, I told the studio, there's only one actress in Hollywood with big enough talents to play Chucky's bride, and that's Jennifer Tilly. Au niveau du casting, on a bien sûr reconnu dans l'extrait que je viens de vous passer Brad Dourif qui accepte avec grand plaisir de reprendre son rôle de Chucky pour la quatrième fois. La partition musicale est de nouveau confiée à Graham Revell qui avait auparavant réalisé l'excellente musique de Chucky 2. Durant le tournage, Tilly et Dourif sont très complices. Pour la scène de sexe entre Tiffany et Chucky, les deux acteurs devaient juste faire des petits gémissements durant les enregistrements. Mais ils ont plutôt improvisé quelques dialogues, ce qui donne ces répliques suivantes qui n'étaient pas du tout prévues dans le script original. Oh, wait. Have you got a rubber? Have I got a rubber? Yeah. Tiff! What? Look at me! I'm all rubber! Oh, that's right. Wait, I thought you were plastic. Tiff. What? Kiss me. Okay. Ils ont énormément rigolé durant cette journée. Le film se passe seulement un mois après les événements de Chucky 3. Tiffany Valentine, ex-amante de Charlie Ray, arrive à mettre la main sur la dépouille de son bien-aimé et décide de le ressusciter. Celle-ci pensait naïvement par une bague trouvée dans ses affaires qu'il voulait la demander en mariage la nuit de sa mort. Hélas, cette bague volée n'était qu'un trophée pour Chucky. Déçue, elle l'enferme dans un parc pour bébés et lui offre en guise de moquerie une poupée en robe de mariée. Chucky décide de tuer Tiffany et transfère son âme dans ce bout de plastique. La seule solution pour retrouver leur forme humaine est de traverser les États-Unis pour récupérer une amulette qui se trouve dans la tombe de Charlie Ray. Ils vont alors se servir d'un jeune couple, Jesse et Jade, pour se déplacer jusqu'au New Jersey. Mais suite à une mystérieuse série de meurtres, la virée des deux amoureux va se transformer en cauchemar. Très peu de sagas horrifiques peuvent se vanter d'avoir eu autant de succès au bout du quatrième épisode. À sa sortie, La fiancée de Chucky est un carton. Avec plus de 50 millions de dollars au box-office mondial, il devient alors le film le plus rentable de la saga. Que dire, à part que cette œuvre est un petit bijou horrifique qui mélange parfaitement l'humour noir, l'action et la tension. En plus d'être une lettre d'amour ouverte au cinéma d'horreur des années 80 avec ses multiples références, cette quatrième aventure bénéficie d'une réalisation parfaitement maîtrisée qui sent bon les années 90. La mise en scène est ingénieuse, profitant du moindre petit détail pour nous offrir de belles scènes. C'est un vrai bonheur de retrouver notre poupée préférée en si bonne forme dans une aventure totalement inédite. En effet, la trilogie Child's Play commençait sérieusement à tourner en rond avec le personnage d'Andy Barclay. Cette nouvelle suite nous offre enfin une toute nouvelle histoire qui prend un virage plus adulte en n'hésitant pas à se lâcher sur le sexe, l'humour absurde, le gore et la violence. Tout ça accompagné par les musiques de Graham Revell qui a fait encore une fois un super travail. Pour résumer, Ronnie Yu signe le meilleur film de la saga. Ce road movie franchement jouissif à l'humour acide et auto-parodique nous donne exactement ce qu'on recherche dans une suite. C'est-à-dire un grand respect du concept original tout en offrant une direction innovante qui va encore plus loin. Résultat, on se retrouve avec un bon divertissement avec plus d'action, plus d'humour et plus de sang. Sans parler de l'animation des poupées qui est tout simplement exceptionnelle. La fiancée de Chucky est un film qui assume ses choix et qui n'a pas peur de se réinventer, tout en sachant que certains fans ne suivront pas ce nouveau chemin. Pour ma part, avec ce film, Chucky est définitivement mon ami pour la vie. La production a initialement commencé le 18 octobre 1998, seulement deux jours après la sortie de La fiancée de Chucky. Pourtant, ce cinquième film va étonnamment mettre plusieurs années à sortir. Pendant que d'autres sagas horrifiques continuent de mourir à petit feu, comme par exemple la franchise Vendredi 13 où on peut voir le tueur Jason Voorhees dans l'espace combattre un robot, et la série des Halloween où on a cette incroyable malchance d'apercevoir un Michael Myers bas de gamme dans une télé-réalité, Chucky, lui, est en pleine forme, plus fort que jamais. En voyant que le mélange horreur et humour a porté ses fruits, Don Mancini se met donc à l'écriture du scénario en s'inspirant cette fois-ci du classique culte de 1953, Glenn or Glenda, premier long métrage d'Ed Wood qui aborde la transidentité. Pour ceux qui ne le savent pas, la transidentité est le fait d'avoir une identité de genre différente du genre assigné à la naissance. Comme la fin du dernier opus se terminait sur un accouchement très surprenant, le scénariste va en effet se servir de cet angle-là pour construire la personnalité de l'enfant de Chucky. C'est décidé, il sera une personne douce souffrant de dysphorie de genre. Un chemin pour le moins original pour l'époque, mais surtout très inattendu pour une saga horrifique.
C'est plutôt évident, avec cette cinquième aventure, l'auteur souhaite explorer des thèmes liés à la communauté LGBT. J'ai pensé que c'était beaucoup plus intéressant si l'enfant de Chucky était complètement doux et innocent. En fin de compte, je me suis dit, et si Chucky avait un enfant gay? Rien que d'y penser, c'est hilarant. En tant que mec gay, c'est amusant d'intégrer ce genre de matériel dans un film grand public d'une manière subversive. Vous savez, je vois tellement de films sur le thème gay étouffés par leurs bonnes intentions. Un thème personnel qu'il connaît parfaitement bien, car Mantini est l'un des rares écrivains ouvertement homosexuels dans le genre horrifique, avec Kevin Williamson, qui est le papa de Scream, et Clive Barker, le papa d'Hellraiser. Le studio Universal Pictures, qui a produit les trois films précédents, s'attendait à un film d'horreur plus conventionnel. Par exemple, la société voulait voir le fils être un méchant meurtrier comme son père, au lieu de se poser des questions sur son genre. What am I? Le studio de cinéma a donc rejeté le scénario qui n'allait pas du tout dans cette direction-là, avec la note « c'est trop drôle, c'est trop gay ». Il est clair que les dirigeants avaient une vision plus sombre et moins farfelue pour la suite de la saga. Ne voulant pas faire de compromis ni de réécriture, l'auteur ne désespère pas et recherche activement un autre studio qui voudra bien accepter son script qui pousse loin dans l'autoparodie. C'est vraiment une autoréférence, mais différente des autres films d'horreur. En ce sens, je me plais à penser que c'est de l'autodérision. Jennifer, par exemple, en est la preuve même. Le public va l'adorer pour ça. Je ne voulais pas faire le même film que la fiancée de Chucky, alors j'ai pensé le rendre encore plus fou, le rendre plus méta. Contre toute attente, la recherche va prendre près de 6 ans. La production du film va reprendre lorsque le projet a été enfin approuvé par la société de production Rogue Pictures, qui venait tout juste de sortir Shaun of the Dead. Côté casting, Brad Dourif est toujours au rendez-vous pour reprendre son rôle qui lui colle définitivement à la peau. Jennifer Tilly revient cette fois-ci pour deux rôles. Elle est de nouveau dans les traits de Tiffany Valentine, mais va également jouer son propre rôle. Enfin, presque. Je ne joue pas exactement mon rôle. J'exagère mes traits de caractère que les gens croient connaître. Je fais en réalité une parodie de star de cinéma. Je m'affiche en robe imprimée panthère, en fourrure, bien que je déteste les manteaux en fourrure. C'est une exagération de ma personne. Pour le fils de Chucky, c'est l'acteur Billy Boyd qu'on connaît tous grâce à son interprétation de Pipin dans la trilogie Seigneur des Anneaux, qui donne sa voix ici. Le rappeur Redman et le réalisateur John Wader, connus entre autres pour les films Pink Flamingos, Cry Baby et Serial Mother, sont également de la partie avec un réel enthousiasme. Un casting plutôt improbable. Pour la réalisation, Ronnie Yu n'a malheureusement pas pu revenir en raison de conflits d'horaires. Don Mancini se lance donc dans sa toute première réalisation. Il avait déjà prouvé auparavant qu'il pouvait endosser ce rôle sans problème, car lors d'une séance de questions-réponses au Screamfest, un festival cinématographique dédié au cinéma d'horreur, le producteur David Kirschner a révélé que Ronnie Yu était retourné en Chine avant de terminer le premier montage pour La fiancée de Chucky. Alors Mancini avait donc pris les rênes et avait finalisé lui-même le projet. Comme le révèlent les commentaires du DVD, le metteur en scène et le producteur ont eu du mal à se mettre d'accord sur le look de Glenn. Mancini voulait lui donner son propre style, mais le producteur a estimé qu'il devait avoir des caractéristiques similaires à Chucky, car après tout, Glenn est son fils. En conséquence, Glenn a eu des yeux bleus, des cheveux roux et des taches de rousseur comme Chucky. Avec un budget de 12 millions de dollars, le tournage qui ressemble à un baptême du feu se passe presque entièrement en Roumanie afin de réduire les coûts au maximum. N'ayant que très peu de temps, l'équipe de tournage est éreintée et le planning explose. Les prises de vue commencent le plus souvent à 9h du matin, pour se finir vers 23h le soir. La faute de ce gros retard est en partie à cause des nombreux effets spéciaux qui demandent énormément de mise en place et de temps. Entre les 8 marionnettistes pour chaque poupée qui doivent se concorder entre eux, le plateau spécialement construit à 1m50 du sol pour faire passer les techniciens qui offrent de nouvelles contraintes, les exigences de Don Mancini en tant que réalisateur et les nombreux câbles qui s'en mêlent sur le plateau, ce n'est pas de tout repos. Je voulais obtenir une réalisation très précise, avec une caméra toujours mobile. Ma principale référence en tant que réalisateur, c'est Brian De Palma. On a d'ailleurs fait un plan séquence qui sera vers le début du film, et qui représente le point de vue d'une des poupées. Il dure près de 5 minutes. Notre planning en a pris un sacré coup dans l'aile à cause de ce satané plan. Après un tournage éreintant, s'ensuit la post-production qui s'annonce bien trop brève compte tenu de l'ambition de l'œuvre. Don Mancini rogne sur les quelques heures de sommeil que lui accorde le tournage et monte son film en parallèle des prises de vue effectuées dans la journée. Ses efforts sont déjà récompensés. Les premiers rushs réalisés rassurent les producteurs, tout comme les acteurs très confiants. On a même déjà proposé à Mancini de réaliser son deuxième film. Il se pourrait d'ailleurs que ce soit le sixième volet de la série des Chucky. Je pense que Don va si loin qu'il y a de grandes chances que la franchise connaisse une nouvelle impulsion avec cet épisode. Durant la promotion du film, un avertissement a dû être ajouté à certaines bandes-annonces précisant que Britney Spears n'apparaissait pas dans ce film, en raison d'un gag dans lequel un sosie a été choisi pour représenter Britney. L'équipe de la chanteuse craignait que ses fans aillent voir le film en s'attendant à ce qu'elle y joue un rôle plus important. Ils ont donc demandé au producteur d'ajouter l'avertissement. «
I did it again. Plusieurs années après la mort de Chucky et Tiffany, la progéniture de la poupée de sang se lance à la recherche de ses parents après les avoir aperçus à la télévision sur le tournage d'une production hollywoodienne inspirée de leur meurtre. Après leur résurrection grâce au médaillon, un dilemme se pose. Chucky veut un fils alors que Tiffany veut une fille. Par ailleurs, alors que Tiffany rêve de transférer son âme dans le corps de l'actrice Jennifer Tilly, Chucky s'est enfin pleinement accepté en tant que poupée tristement célèbre. Un conflit familial va donc éclater. Chucky et Tiffany ont un fils, on dirait le début d'une mauvaise blague et c'est tout à fait normal, c'est le cas. Une mauvaise blague qui dure 87 minutes et qui a coûté plus de 12 millions de dollars tout de même. Sans surprise, à sa sortie, le fils de Chucky est un échec commercial, rapportant seulement 24 millions de dollars. Il a reçu des critiques généralement très négatives, les principaux reproches étant dirigés contre sa mauvaise intrigue et surtout, son humour très discutable. Il est facile de taper sur un mauvais film, mais là, j'avoue ne pas savoir par quoi commencer. En fait, c'est un véritable désastre. Je me demande ce qu'il s'est passé dans la tête de Don Mancini pour nous pondre une telle horreur. J'ai l'impression que toutes les personnes qui ont travaillé sur ce film ont voulu se faire un énorme délire, mais juste entre eux. Mancini signe de très loin le pire film de la saga, pour le moment, avec une œuvre plate, moche, incohérente et sans intérêt. Ahurissant de nullité, le film sombre immédiatement dans la caricature où se succèdent des scènes au goût profondément vulgaire. D'ailleurs, lors de mes recherches pour cette vidéo, j'ai failli exploser de rire en voyant les interviews datant de 2004 où tout le monde disait que Mancini allait révolutionner la saga avec ce film. À cause de cet échec cuisant, Chucky n'aura plus le droit à une exploitation dans les salles de cinéma et va donc emprunter la petite porte des direct-to-DVD. Quatre ans après l'énorme flop critique et financier du fils de Chucky, le duo Kirchner et Mancini ont annoncé dans une interview en 2008 qu'un sixième film est malgré tout en préparation et qu'il suivrait la mode des remakes. Car oui, après la mort du néo-slasher en 2004, le cinéma d'horreur explose avec deux nouvelles modes, le torture porn et les remakes. Pour le premier, même si ce genre a été exploité dans les années 70 avec entre autres Salo ou les 120 journées de Sodome et évidemment le film référence Cannibal Holocaust, il n'a jamais autant fonctionné qu'au début des années 2000 grâce aux franchises Saw et Hostel. Pour le second, les studios de cinéma étant très attachés à leur franchise d'horreur, décident de tout simplement repartir à zéro pour tenter de moderniser le concept. Vu le succès de certains remakes, les créateurs de Chucky veulent aussi prendre ce chemin très lucratif. En parallèle, les fans réclament le retour de Chucky dans de l'horreur pure et premier degré. Sans donner trop d'informations durant les interviews, Don Mancini a décrit le remake qui devait initialement s'intituler Revenge of Chucky comme un récit plus sombre et plus effrayant du film original. Finalement, en juin 2012, il a été confirmé qu'une suite entrerait effectivement en production, intitulée Curse of Chucky, et sera distribuée de nouveau par Universal. Le projet de remake est donc abandonné. Du côté du casting, il y a un fait amusant. Fiona Dourif, la fille de Brad Dourif, est prise pour jouer le personnage principal. Le long métrage a connu une promotion plutôt originale. La production a décidé de faire une caméra cachée dans un arrêt de bus où on pouvait voir l'affiche du film s'allumer, et un acteur déguisé en Chucky traverser soudainement le panneau d'affichage. Quatre ans après la fin du film précédent, une mystérieuse poupée est livrée au domicile familial de Nika et Sarah Pierce, où Chucky terrorise et tue la famille un par un. Lors du climax, on apprend que Chucky s'en prend à cette famille car Sarah est celle qui a appelé la police alors qu'il était encore humain, ce qui a conduit à sa mort au tout début du premier film. Nika arrive à survivre. Quelques temps plus tard, elle est reconnue coupable des meurtres et est envoyée dans un hôpital psychiatrique pour criminels. Un des policiers prend la pièce à conviction qui est dans un sac en plastique, mais remarque que la poupée respire. Au même moment, Tiffany, la petite amie humaine de Chucky, égorge le policier et saisit la poupée. 6 mois plus tard, Andy Barclay reçoit un mystérieux colis à son domicile. Alors qu'il est au téléphone avec sa mère, Chucky en profite pour sortir du colis avec l'aide d'un couteau. Mais brusquement, Andy, qui avait anticipé sa venue, lui braque une arme à feu. Chucky reste stupéfait et n'a pas le temps de bafouiller le nom d'Andy avant que celui-ci n'appuie sur la gâchette.
Le DVD Blu-ray est sorti le 8 octobre 2013 et a rapporté presque 4 millions de dollars au niveau national durant le premier mois pour un budget de 2,8 millions. Il est malheureusement impossible d'avoir les chiffres exacts, mais le studio Universal a accepté une nouvelle suite, donc j'imagine que ce sixième opus a été rentable. Cette nouvelle aventure a reçu globalement des avis très positifs, mais pour ma part, j'attendais avec impatience ce grand retour malgré le fait que la franchise prenait la petite porte des directs ou DVD. Malheureusement pour moi, c'est une nouvelle déception. Pour commencer, rien qu'en voyant l'affiche du film, il y a déjà un problème. C'est quoi cette tête dégueulasse? Ce n'est pas du tout mon Chucky. Ensuite, le film en lui-même ne raconte rien encore une fois. C'est juste une famille inintéressante jouée par de mauvais acteurs qui se fait trucider. Point. Les meurtres sont pour la plupart mal faits ou totalement ennuyants. Et on voit clairement que la poupée n'est plus du tout la même par rapport au précédent film avec une tête plus bouffie et des cheveux encore plus longs. L'animation de la poupée est très mal gérée et j'ai beaucoup de mal avec le mélange CGI et animatronique. De plus, il y a de nouvelles incohérences. Pourquoi Chucky ne saigne plus ? La seule chose qui a retenu mon attention, c'est le retour d'Andy Barclay qui est caché après le générique de fin. Donc la meilleure scène du film est dans les dernières secondes. C'est con. Après avoir ruiné tout le potentiel qu'avait amené la fiancée de Chucky, Don Mancini prouve une fois de plus qu'il n'est pas du tout fait pour gérer tout seul un projet cinématographique. Il y a malheureusement très peu d'anecdotes concernant le développement de ce septième volet. Tout ce que je peux vous raconter par rapport à ce film, c'est que deux semaines avant sa sortie officielle, le retour de Chucky a fuité et a été diffusé dans son intégralité sur YouTube. Le metteur en scène Don Mancini a très vite réagi sur Twitter. Aux génies qui ont divulgué Cult of Chucky et qui ont tweeté à ce sujet, félicitations, non seulement vous êtes des gens bêtes, mais maintenant les avocats d'Universal savent qui vous êtes. L'acteur Alex Vincent a déclaré qu'il ne comprenait pas la logique de cette fuite, puisque le film sera à la fois disponible en DVD et sur Netflix. Le retour de Chucky sort comme prévu le 20 octobre 2017. Le long métrage se passe 4 ans après les événements du précédent opus, où Nika est enfermée dans un asile psychiatrique après avoir été condamnée à tort pour les meurtres de sa famille. Le film s'ouvre sur Andy Barclay qui se prend un énième râteau à cause de son passé macabre que tout le monde connaît. Il rentre donc chez lui et ouvre une mystérieuse cachette secrète où il garde Chucky, toujours conscient et encore plus déformé après avoir été torturé à plusieurs reprises. De son côté, Nika pense maintenant qu'elle est responsable des meurtres et que Chucky était en réalité une manifestation de sa psychose. Le docteur Foley décide de la transférer dans un hôpital psychiatrique à sécurité moyenne. Quand une nouvelle poupée Braga fait son apparition dans un but thérapeutique de la part d'une certaine Tiffany Valentine, une nouvelle série de meurtres se produit aussitôt. Déterminé à mettre fin au carnage, Andy, qui a compris que plusieurs poupées étaient possédées, s'engage dans cette institution en attaquant l'un des agents de sécurité. Carlos, un infirmier, remet un nouveau colis au docteur Foley, une autre poupée Braga avec des cheveux courts qui a été envoyée par Andy. Après plusieurs meurtres, le docteur est assommé par Chucky au moment où il tente d'agresser sexuellement Nika. Il transfère son âme dans deux autres poupées pour s'attaquer à plusieurs personnes en même temps dans l'hôpital. Devant l'établissement, Tiffany tue un agent de sécurité en lui tranchant la gorge. Un des Chucky possède Nika, donnant à son corps la possibilité de marcher. Andy, qui est enfermé pour avoir agressé l'agent, est attaqué par le Chucky aux cheveux courts et gagne la bataille. Nika, possédé par Charles, l'enferme dans sa cellule et retrouve Tiffany dehors. On découvre dans la voiture la poupée de Tiff qui est également bien vivante. Ensuite, dans une scène post-générique, on aperçoit Kyle qu'on n'avait pas vu depuis Chucky 2 qui rentre dans la maison d'Andy pour torturer la tête décapitée de Chucky. Les ventes de DVD et Blu-ray ont rapporté environ 2 millions de dollars pour un budget de 2 millions. Les premières critiques sont une nouvelle fois très bonnes. Bon, déjà je ne comprends pas comment les deux derniers films peuvent être si bien accueillis par la critique, mais passons. Je sens bien que Don Mancini est rempli de bonnes intentions, mais à l'écran, c'est une catastrophe. Les dialogues, les acteurs, le scénario, les choix artistiques, le décor, rien ne va. Je ne vais pas me répéter car ce nouvel épisode a tous les défauts des deux derniers. Encore une fois, la poupée Chucky a un nouveau visage qui fait très enfant diabolique. En plus d'être une fois de plus une incohérence, je ne m'y fais pas. Les scènes de meurtre vont trop loin dans la violence gratuite, certains effets sont...
Voilà. Et le retour d'Andy Barclay ne sert strictement à rien. Il y a évidemment la grande nouveauté, Chucky peut transférer son âme dans plusieurs corps en même temps. Ok, c'est cool, mais pourquoi il fait ça? Dans quel but? Pourquoi posséder Nika alors qu'il voulait la tuer dans le précédent film? Évidemment, je n'aurai pas de réponse à mes questions. En fait, à moins que Don Mancini se décide enfin à lâcher l'affaire pour passer définitivement la main, je ne vois plus trop comment Chucky aura les moyens de me séduire à nouveau. En faisant cette rétrospective, j'ai vraiment compris quelque chose sur ce scénariste. Il a eu beaucoup de chance à l'époque. De la chance d'avoir été entouré par Tom Holland et John Lafia qui ont énormément contribué au succès de Chucky en modifiant son script. Ensuite, il y a eu Ronnie Yu qui était là pour renouveler son concept qui était vraiment épuisé. Puis, il a décidé de prendre les rênes de la franchise en pensant qu'il pouvait faire aussi bien. Et c'est là où la saga a commencé à réellement sombrer. Personnellement, j'espère qu'un metteur en scène talentueux va vite transférer son âme en lui. La plupart des fans divisent la saga en trois parties. Il y a d'abord la trilogie Child's Play, suivie par la fiancée de Chucky et le fils de Chucky, puis les deux directs DVD, La Malédiction et Le Retour. Mais je ne suis pas du tout d'accord, voici comment la franchise est divisée selon moi. La trilogie Child's Play, où on suit les aventures du petit Andy Barclay, ensuite la fiancée de Chucky, qui a son propre style visuel et qui est tout simplement la meilleure des suites, et de très loin à côté, il y a la trilogie réalisée par Don Mancini avec son lot d'incohérences. D'ailleurs, ça me gêne énormément qu'on mette dans le même panier la fiancée et le fils, alors que les deux œuvres ne se ressemblent absolument pas. Malgré le fait que sur les 7 films, seulement 3 valent vraiment le coup, la saga Chucky est très intéressante. Avec plus de 30 ans d'existence, elle a tenté de se renouveler plusieurs fois et a réussi à traverser toutes ses époques. Lorsque j'avais 12 ans en 2007, je n'aurais jamais cru que le petit film d'horreur que j'allais découvrir sur Energy 12 allait avoir autant d'impact sur moi. Un amour des films d'horreur est né ce soir-là. Alors bien sûr, quand j'ai su 11 ans plus tard, en 2018, qu'on pouvait acheter la poupée, j'ai craqué. Avant de conclure cette vidéo, je souhaite revenir sur quelques anecdotes en plus. Les auteurs de jeux d'enfants se sont réellement inspirés de la mythologie vaudou pour la fameuse formule. Dambala est en réalité l'esprit vaudou de la fécondité, de la bonté et de la connaissance. Il représente le principe du bien, il est souvent symbolisé par une couleuvre. Depuis quelques années, une rumeur circule sur tous les réseaux sociaux qui dit que la saga Chucky serait inspirée de faits réels. La légende raconte qu'en 1906, le jeune Robert Eugène Otto, âgé de 4 ans, reçoit une poupée de la part d'une servante qui était apparemment adepte de voodoo. Robert Otto lui donnera son propre nom. Par la suite, de nombreux phénomènes paranormaux se produisent. Les voisins affirment même voir la poupée se balader de fenêtre en fenêtre. La poupée est aujourd'hui exposée dans l'ancienne maison de la famille Otto, reconvertie en musée. Les visiteurs en quête de frissons affirment avoir vu la poupée bouger ou changer d'expression faciale. On dit que quiconque prend une photo de la poupée sans d'abord demander la permission à Robert est alors maudit. Le musée reçoit de nombreuses lettres de visiteurs s'excusant auprès de Robert pour lui avoir manqué de respect. Bien que ce soit une bonne idée de penser que Robert et Chucky soient en quelque sorte des âmes sœurs, ce n'est tout simplement pas le cas. Don Mancini et Tom Holland n'ont jamais mentionné cette histoire malgré les nombreuses interviews. Robert restera probablement à jamais l'une des célèbres légendes surnaturelles d'Internet, et Chucky comme la poupée tueuse la plus célèbre du cinéma. Dans le scénario initial, Chucky s'appelait Buddy, mais cela posait des problèmes de droit vis-à-vis de la marque de poupée bien réelle, My Buddy, une gamme de poupées créée par Hasbro en 1985 dans le but de fabriquer une poupée pour plaire aux petits garçons et leur apprendre à prendre soin de leurs amis. Cette idée est à la fois innovante et controversée pour l'époque, car les poupées jouées étaient traditionnellement associées aux jeunes filles. Le scénariste de Don Mancini fut donc contraint de renommer sa créature Chucky, et franchement, tant mieux. Dans le milieu du cinéma, il est très courant que certaines scènes et certains personnages se retrouvent coupés au montage final. Cependant, ce n'est pas souvent qu'ils sont réimplantés plus tard. En effet, dans le script original de Don Mancini pour jeux d'enfants, la babysitter d'Andy devait initialement être électrocutée par Chucky alors qu'elle était dans la baignoire. Finalement, le script a subi des changements de dernière minute à cause du budget serré. Don Mancini a donc décidé de la réintégrer pour la fiancée de Chucky. Tous les amoureux de l'horreur l'ont remarqué, Don Mancini a parsemé la fiancée de Chucky de références. Dès les premières minutes dans la salle des affaires non classées, nous pouvons apercevoir les griffes de Freddy Krueger, le masque de Jason Voorhees, la tronçonneuse de Leatherface et le masque de Michael Myers. Plus tard, il y a un personnage au nom de Damien Belloc, qui est un mélange du nom de l'antéchrist Damien et de sa babysitter Madame Belloc dans le film La Malédiction. Pour le premier meurtre de Chucky, cette fois-ci, c'est une référence à L'Exorciste. L'affiche du film est évidemment une parodie de Scream 2, et enfin, le meurtre du policier rend évidemment hommage au Cénobite d'Hellraiser. Le fils de Chucky a lui aussi quelques références. L'affiche officielle est une parodie évidente à Shining, et une autre affiche promotionnelle détourne la peinture American Gothic.
Dans l'introduction, Glenn assassine une femme dans sa douche, ce qui rappelle la fameuse scène de Psychose. Par ailleurs, la toute première scène du film où toute une famille se fait massacrer est un hommage à l'introduction d'Halloween de John Carpenter. L'acteur Brad Dourif et Don Mancini n'étaient pas du tout d'accord sur le point culminant dans Le Fils de Chucky, où la célèbre poupée prononçait son discours sur le fait d'être une poupée. Look around you, Tiff! This is nuts! If this is what it takes to be human, then I would rather take my chances as a supernaturally possessed doll. It's less complicated. Brad pensait qu'être de nouveau humain était le principal facteur déterminant de Chucky et une grande partie de son personnage. Et voilà, la grande rétrospective sur Chucky touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez une rétrospective sur la série Chucky. On se revoit très vite pour une prochaine vidéo, mais en attendant, n'oubliez pas... Je reviendrai !